Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le seul véhicule propre disponible aujourd'hui sur le marché, c'est le vélo. C'est zéro émission de CO2 assurée. C'est la raison pour laquelle, Madame la Commissaire, j'espère qu'on va renforcer pour que toutes les villes aient plus de vélos. Eh bien, vous savez quoi, la voiture de demain, l'objectif, c'est qu'elle soit elle aussi à zéro émission. Et le chemin commence par ce texte sur les véhicules acquis par la commande publique, parce que le secteur des transports, c'est encore 23% des émissions de CO2 en Europe, parce que la majeure partie de ces 23% est émise sur la route, parce que le rapport du GIEC a dit récemment que nous approchons du dernier moment pour sauver le climat, et parce que la commande publique, c'est 14% du PIB européen, un levier majeur pour la transition vers une mobilité durable. Et face à cela, les conservateurs nous disent « la technologie n'est pas prête, mais pourquoi en Chine, aux États-Unis, on est déjà sur le point d'y arriver, on a l'opportunité de définir ce que doit être un véhicule propre, et vous les conservateurs, vous laissez la porte encore ouverte aux véhicules roulant en biocarburant. Mais est-ce que c'est bien raisonnable de regarder encore le passé alors que nous, on vous emmène vers le 21e siècle? La maison brûle, nos poumons s'encrassent et vous préférez regarder ailleurs après le déluge. Moi, je crois qu'il faut être responsable, ouvrir les yeux et ce texte doit être ambitieux. Merci, Monsieur le Président.